Bonjour à tous et à toutes. Oui, vous avez bien vu encore des masques. Mais simplement pour faire une mise au point sur la qualité des masques et puis leur utilisation, parce que je reviens d'un lieu médicalisé, justement, et il s'avère que j'ai eu des explications sur le fait d'avoir un masque ou de ne pas en avoir. Alors, vous savez qu'il y a différents types de masques. Les plus communs, ça va être ceci. Celui-ci, par exemple. Qui est vendu par 50 pièces, alors c'est sur Banggood en Chine, hein, peu importe, de toute façon. Et le voici, le même que j'ai eu donc dans le milieu médicalisé. On veut dire que c'est strictement la même chose, il y a un sens pour le porter, le côté bleu toujours à l'extérieur, et côté blanc contre la peau. Surtout pas se tromper. Alors, ce qui se passe, c'est qu'avec les masques, on protège les autres, et ceux qui n'ont pas de masque ne nous protège pas. C'est-à-dire que vous, les postillons, ne vont pas vers la personne à qui vous parlez, si elle a 1 mètre ou 1 mètre 50. Mais si la personne n'a pas de masque, les postillons qu'elle envoie traversent le masque. Vous voyez un peu? C'est étanche d'un côté, mais c'est pas étanche de l'autre. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Donc c'est une précaution que tout le monde devrait avoir. Je reviens d'un commerce en même temps. J'en ai profité, j'étais sur trois, et malheureusement, je ne sais pas parce que si c'est un jour férié, j'en sais rien, mais beaucoup de gens n'avaient pas de masque. Alors ça, c'est vraiment n'importe quoi, parce que on se croise, on est tous attirés par un article dans un rayon, automatiquement on est appelé à se croiser, et de plus, j'ai su, bien sûr, on savait que les postillons peuvent aller jusqu'à 4 mètres de distance. Voilà. Il suffit que quelqu'un postillonne assez fort, et c'est vrai que ça peut aller loin. S'il y a un courant d'air qui pousse les postillons, c'est léger, et vous êtes infecté. Ça va très vite. Alors, quand on parle de confinement, et ensuite qu'on dit le relâchement du confinement à partir de lundi, après-demain, on est le 8 mai, et que les gens n'ont pas encore de masque, moi je me suis fait un masque, vous avez vu, cette espèce de masque, mais il est étanche. Je ne dis pas qu'il est étanche justement de l'extérieur vers moi, mais moi je ne projette pas de postillons vers les personnes. Les postillons sortent de ma bouche, sont stoppés directement par le papier. Il y a deux couches là. Là c'est le même principe, sauf que c'est un peu plus sophistiqué, un peu plus étanche. Et ce n'est pas la panacée. Ensuite, les masques qu'on a reçus dans le département de l'Aube, en tissu, agréés par l'armée française, le voici. Alors lui, il est étanche, vraiment bien étanche. Il y a des couches de tissu d'une matière assez évoluée, lavable en machine et qui passe au sèche-linge. Il est même recommandé dans le manuel de passer au sèche-linge pour désinfecter le masque, tout simplement. Voilà. Il se lave à 60 degrés. C'est exactement, j'ai vu l'article, c'est exactement ce que le président de la République avait sur le nez, sur le visage, quand il a fait son passage dans l'école il y a 2 jours, je crois, ouais, à peu près, un jour, 2 jours. Il avait le même. Ça vient d'une fabrication française, hein. Comme quoi en France, on peut faire quelque chose maintenant, ça y est. Et comme je le dis, chez Aldi, peu importe, ça peut être Lidl, ça peut être n'importe où, c'est un désinfectant de surface. C'est pas pour les mains. Ils vendent pour les mains et ils vendent pour la surface. C'est fait en France aussi. Et c'est strictement étiqueté juste ce qu'il y a besoin de savoir. On n'a pas besoin de savoir plus que ce que nécessaire. C'est pas pour les mains, c'est pour les surfaces. Pour votre voiture, principalement. Pour les transports en commun. Si vous êtes à proximité de quelqu'un et que vous sentez qu'il y a un danger, il vous parle et il vous projette quelque chose chez vous, ou c'est pas ce qui manque maintenant. La prudence s'impose. Pour éviter justement une deuxième vague de ce virus. Voilà, ça coûte 1 euro, j'ai payé combien? 1,90 € je crois, ou 1,70 € chez Aldi. J'ai vu, il était devant la caisse, donc j'ai regardé, j'ai pris, puis voilà, j'en ai un. Comme ça pour la voiture, au cas où, si j'ai besoin d'emmener quelqu'un, que je puisse désinfecter au moins la voiture, les poignées de porte, etc. Ce sont des précautions évidentes, puisque ce virus. Bah, il attaque tout le monde, les enfants
Et le problème des enfants, c'est que ça attaque le cœur. Pour les enfants, ça leur fait, je dirais pas que ça leur fait gonfler le cœur, mais ça fait, pour leur petit cœur, on va dire, ça leur fait une faiblesse. Ça attaque une faiblesse de leur organisme. Ce virus-là se sert de faiblesse pour attaquer d'autres endroits du corps. Ah mais, surprise en surprise, hein. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.